Cette gauche croyait encore que ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Ce n'était pas une gauche social-libérale à tendance scandinave façon François Hollande. Hollande qui est donc mal placé pour se livrer à cet exercice selon vous ? Disons que c'est pour le moins décalé, hein, ce président normal, cet hypo-président dont le trait principal est la recherche du consensus, il s'en va célébrer les vertus de courage, de risque et de leadership solitaire. On a du mal à y croire et cela en plein débat sur les programmes d'histoire qui s'emploient à relativiser de plus en plus la place des grands. Retraite et réussir une réforme juste. Bah alors ? Je sais pas. Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec Bernard Friot. L'enjeu des retraites. Flight number 2, arriving from New York.